Bonjour à tous et bienvenue dans Fort Accord, votre spécialiste d'après-anime en compagnie de Michel, le spécialiste technique de l'émission. Bonjour Michel. Bonjour Michel, une réplique absente, une mauvaise censure, rien ne m'échappe. Et aujourd'hui Michel, on s'attaque à un gros poisson, détective Conan. Exactement. Bon, voilà, t'es content, t'as fait ton intro ? Oui, tu peux pas savoir à quel point. Et pour une fois que je peux essayer, je vais pas me priver. Et donc bonjour tout le monde, c'est Ethan et aujourd'hui je suis avec DC Univers. Bonjour, comme vous avez pu le voir dans cette intro très subtile, on se retrouve pour la seconde vidéo de notre série traitant de la VF de Détective Conan en France. Elle sera principalement dédiée à la diffusion télé cette fois-ci. Pour ceux qui ne l'auraient pas vu, je vous renvoie vers la première vidéo qui se trouve en haut à droite et en bas dans la description. Elle explique les diffusions de Détective Conan en France jusqu'aux environs de fin 2021. Oui, et cela permettra de mieux comprendre l'ordre chronologique des problèmes que nous allons vous montrer dans cette vidéo. Du coup, aujourd'hui, on va parler d'un sujet encore plus intéressant, car nous allons essayer de faire le tour d'une grande partie des problèmes que l'on peut retrouver dans la version française. Des soucis différents en fonction des chaînes de télé, des versions physiques ou des sites de streaming, puisque Détective Conan a eu le droit à une multitude de montages et de remontages qui ne lui ont pas fait que du bien. Encore une fois, l'existence de cette vidéo et des informations qui vont être partagées sont dues au travail remarquable de So Crazy et Titan, sans qui rien n'aurait pu sortir. Les différents liens menant à leur réseau seront aussi en description. Aucun mystère ne nous résiste, vous êtes là pour le Détective Conan. Conan contre AB, seconde partie. Le sujet étant très vaste, aujourd'hui nous allons nous intéresser uniquement aux versions télé, c'est-à-dire Cartoon Network, France 3 et les trois chaînes du groupe AB, c'est-à-dire Manga, NT1 et AB1. Une troisième vidéo sera dédiée au support physique et peut-être même une quatrième dans le cas de ma chaîne YouTube. Sinon, croyez-moi, on va vite se perdre dans le dédale d'imperfections que l'on a eu en France, mais pas que, puisqu'en comparant avec ce qu'ont eu les Espagnols, les Allemands et autres, So Crazy a découvert que de base, le master envoyé par TMS à l'international n'était pas exempt de défauts. En tout cas, pour structurer tout ça, nous allons découper la vidéo en 5 parties, avec pour commencer les erreurs écrites à l'écran, donc ça englobe les cartons titres, les cartons de doublage, les cartons bleus qui présentent les personnages, les cartes bleues, non c'est pas vrai, etc. etc. Ensuite, nous nous intéresserons aux problèmes d'introduction, c'est-à-dire les quelques secondes précédant un épisode, où l'on entend généralement Conan faire une petite réplique. Dans un troisième temps, et j'avais à cœur de le faire, nous parlerons de la censure. C'était le sujet d'une vidéo qui avait extrêmement bien fonctionné sur ma chaîne, avec plus de 10 000 vues, mais malheureusement elle a été supprimée par les méchants de TMS, et ce sera l'occasion d'y faire honneur. Par la suite, nous continuerons avec les oublis et nous finirons avec les inclassables, les petits détails que seuls les experts comme Titan et So Crazy, qui ont passé des centaines d'heures, voire plus, à tout décortiquer, ont pu remarquer. Enfin voilà pour ce sommaire, et nous commençons tout de suite avec le premier point sur les problèmes écrits à l'écran. Tout d'abord, nous parlons des titres d'épisodes. Ce qui est assez remarquable, c'est l'effort qui a été fait pour traduire tous les épisodes, sauf les versions non censurées. À croire qu'un épisode où on laisse un peu de sang n'a pas le droit à un remontage, ça donne vraiment l'impression que les versions censurées sont retouchées dans tous les sens, alors que les versions non censurées, il y a juste la piste audio qui est collée et on laisse l'image telle qu'elle a été envoyée du Japon. Si on veut continuer à taper sur les titres d'épisodes, parlons de leur positionnement. Généralement, on se met d'accord sur une police d'écriture ainsi que la taille de la police et on centre bien le titre pour que ça reste esthétique. Ici, OZEF total, on a vraiment de tout. D'un côté, ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord pour Magic Party. Est-ce qu'on place le titre sur une ou deux lignes, ou est-ce qu'on la joue à Shifumi? Et de l'autre côté, nous avons aussi des petits soucis, comme une faute d'orthographe sur l'épisode « Le meurtre du collectionneur d'antiquités », qui a été rectifié par la suite avec une autre police de caractère. On peut enchaîner sur la police d'écriture, qui change en fonction des supports, preuve des multiples remontages. On a aussi le titre qui peut montrer le bout de son nez avant que la porte ne s'ouvre, ou carrément le titre qui sort du cadre. Bref, heureusement que le renouveau de Conan en France, qui a débuté fortement avec Eurozoom, puis avec les plateformes de streaming, permet de régler de nombreux soucis, même si tout n'est pas parfait. Et donc, après les titres d'épisodes, nous avons aussi les cartons d'information à l'intérieur de chaque épisode. Il a pu arriver que les timings ne soient pas parfaits, le carton français disparaisse un peu trop tôt, laissant apparaître le carton japonais. Ensuite, à partir de 2008, sur les versions AB1, NT1 et manga, les traductions ont tout simplement été retirées, avec par exemple la papeterie Izumi qui n'apparaît plus. Certaines fois, il y a eu aussi des retraductions nécessitant des retouches dégueulasses, comme le démon du ciel, où l'on voit bien que Conan a été détouré puis placé sur fond noir. Enfin, et ça fait beaucoup penser à ce qu'ont eu les Anglais pendant un petit moment,
Il est déjà arrivé que notre pauvre vodka soit renommé en Waker, alors même que ce nom n'a absolument aucun lien avec la série. Fin d'épisode, nous passons au titre des prochains épisodes qui apparaissent à chaque fin après l'ending. Ici, même problème avec la police d'écriture ou la taille des lettres, mais heureusement qu'il n'y a pas que ça, sinon ce ne serait pas marrant. Sur certains épisodes, le centrage n'est toujours pas bon. On voit bien que c'est très souvent fait au pifomètre, et pour des épisodes comme Meurtre sur un plateau ou La maison hantée, si on y regarde de plus près, on peut voir une bande noire qui contraste avec tout le reste, et c'est assez dégueulasse. Alors oui, à l'époque, sur nos télés, ça devait pas trop se remarquer, mais là, c'est assez visible. 20 ans plus tard, on peut mettre une petite tape au monteur et lui dire « on t'a cramé ». En tout cas, j'insiste pour dire que ce n'est pas une critique envers le monteur des épisodes, car au vu de la quantité astronomique d'éléments, c'est un métier extrêmement complexe. De plus, de nombreux problèmes ne sont même pas de son ressort. C'est vraiment toute la chaîne de la création jusqu'à diffusion qui fait qu'il y ait autant de problèmes. Mais, ils ont réussi à faire encore plus fort, donc ça va être notre petit plaisir de leur taper dessus. Ils ont réussi à se tromper dans les prochains épisodes de deux manières. La première en mettant les mauvais titres d'épisodes, Poursuite acharnée au lieu de la voiture fantôme, L'affaire du meurtre des fleurs au lieu de meurtre au parfum, ou encore Meurtre en huis clos au lieu d'intrigue nuptiale. On s'est même posé la question si ce n'était pas des titres provisoires lors des premières traductions. Détective Conan dans Shonen Manga, ça continue tout de suite sur AB1. La seconde façon de faire, c'est de carrément se tromper de prochain épisode et de mettre le mauvais titre. Par exemple, si l'on prend l'épisode 122, l'affaire des deux sœurs, qui étaient toutes les deux fans de Yoko Okino, l'épisode qui suit est censé être le kidnapping de Mademoiselle Météo. Or, avant que la bourde ne soit rectifiée sur le remaster de Netflix, nous avions le droit aux images de l'épisode 126, Meurtre au théâtre, avec pour titre une affaire de chiffres, donc quelque chose qui n'a absolument rien à voir. Il est même arrivé que AB se décale simplement d'un épisode, comme ici avec le démon du monastère et l'affaire de l'âme mystérieuse. Et qu'avons-nous après les prochains épisodes ? Manga.fr, le site de tous vos mangas en VOD, vous présente Détective Conan. Il ne reste plus que les cartons de doublage. Là encore, nous avons une flopée de petits riens. Parfois, il manque le titre de l'épisode, ou à partir du 150, le nom de l'adaptateur ou de l'adaptatrice est carrément absente par moment. Pendant 15 ans, cet épisode était la bête noire de la série. D'ailleurs, avant que Netflix ne reprenne l'animé, une trentaine d'épisodes n'étaient jamais sortis entre le 150 et le 214, le pire étant qu'ils avaient été doublés depuis tout ce temps. Bref, il y a aussi une faute dans le prénom de Johannes Kissas, et on ne sait pas pourquoi, l'épisode 13, Le meurtre déconcertant, n'a pas la même police d'écriture que le reste. Bon, on a enfin fini la première partie, plus que 4, bon, on n'est pas encore sorti de l'auberge. Au moins, on a bien posé les bases, on va pouvoir se focaliser sur les éléments qui gravitent autour. Pour ce deuxième point, nous allons parler plus spécifiquement des introductions d'épisodes. Ce sont les débuts d'épisodes où l'on entend Conan et quelquefois Shinichi pour introduire l'épisode. Et comme pour beaucoup de choses ici, on ne sait pas pourquoi, mais l'OST de l'épisode L'artiste clochard commence qu'à la toute fin de l'intro. La grande aiguille de l'horloge finit sa course, une étoile filante l'accompagne. Conan et sa faculté de raisonnement sont le remède idéal aux maux de la société moderne. Nous allons consacrer tous nos efforts aujourd'hui à trouver des preuves et à ne rien négliger. Car n'oubliez pas, je suis le détective Conan! Il y a encore mieux, dans l'épisode Meurtre Coffee Shop, il n'y en a tout simplement pas. Aucune OSC n'est présente et il n'y a que la voix de Conan en fond sonore. La vérité éclatera au grand jour. J'ai l'apparence d'un enfant mais la maturité d'un adulte. Mon nom, détective Conan. Et puis vous voulez voir l'intro de l'épisode 42 ? Oui, vous avez bien vu. En fait, le monteur de l'époque a carrément oublié de mettre l'introduction sur l'épisode 42. Ce qui fait que, officieusement, il n'existe aucune introduction pour cet épisode. Ce qui fait que sur la version remasterisée comme sur Netflix, l'introduction provient d'un autre épisode. Et ça n'en finit pas, il y a toujours plein de problèmes à montrer. Ici, je vais simplement arrêter sur l'épisode 76, Conan contre le Kit Kat Burglar. Écoutez bien la fin de l'introduction, en fait, elle est carrément coupée. Comme toujours, vous découvrirez la vérité, car rien ne peut résister au détective Conan. Pour la petite histoire, avant que Media One ne refasse un montage complet pour Netflix, allant même jusqu'à redoubler des répliques et des intros de manière inédite, certaines intros, comme pour les épisodes 73 et 102, ont été ralenties, tout ça pour permettre à la réplique d'être prononcée dans son intégralité.
Une aiguille sur le cadran de l'horloge cosmique, le passage d'une comète. Conan est là pour veiller. Aujourd'hui, le poisson sera dur à ferrer et il faudra du courage et de l'habileté au détective Junior. Je suis un enfant en apparence, mais avec le QI d'un adulte. Je suis le détective Conan. Enfin, car il ne faut pas être jaloux, ici aussi il est arrivé que les images lors de l'introduction soient les mauvaises. Pour une fois, ce n'est pas la faute d'AB mais de TMS, car on retrouve cette erreur à l'international. Pour l'épisode 109, La voiture fantôme, ils ont mis les images de l'épisode 100, Souvenir du premier amour, qui était l'épisode, si vous vous souvenez bien, où une maison avait pris feu car une feuille envoyée par un fax avait atterri sur les bougies d'un gâteau. En tout cas, il s'agit là d'une belle bourde et c'est bizarre que personne ne s'en soit aperçu avant d'envoyer l'épisode au reste du monde. Nous continuons notre petit chemin avec la troisième partie dédiée à la censure. Et comme annoncé en début de vidéo, à l'origine, une vidéo entière était portée sur le sujet de la censure, mais malheureusement, TMS est passé par là et l'a supprimée de YouTube sans aucune vergogne. En tout cas, aujourd'hui, nous allons en remettre une couche car c'est un sujet très intéressant. Car vous le savez, pour éviter de traumatiser les pauvres petits enfants, c'est important de censurer, sinon ce sont les parents qui vont nous casser les burnes. À l'origine de chaque épisode, c'est TMS qui applique la première couche de censure, censure qui est de plus en plus présente en comparaison avec les premières saisons qui n'étaient que peu touchées. Malheureusement en France, aux heures de grandes écoutes, AB a eu besoin de censurer davantage les épisodes, et c'est la société Vectracom qui s'en est occupée à l'époque. Il y a au moins une chose qui a correctement été faite, c'est l'AVF en elle-même, car les comédiens ont doublé les épisodes non censurés. Ainsi, même après que la censure soit passée par là, il est facile de placer l'AVF sur les épisodes non censurés, car ce sont eux qui ont servi de base à l'origine. En tout cas, pour ce qui touche à la censure, nous avons comme d'habitude le sang qui a été tout simplement retiré, comme si le ménage avait été fait. Les scènes de meurtre sont coupées en recyclant à la place des images déjà utilisées, en rallongeant des scènes ou en zoomant autre part que sur le crime. Tout cela permet de ne jamais voir le cadavre. Bien sûr, si la censure avait été propre, il n'y aurait aucun intérêt à en parler, mais c'est sans compter notre œil avisé qui a commencé à pleurer à la vue de certaines choses. Par exemple, dans l'épisode 95, Un rendez-vous raté, la censure n'est ni faite ni à faire, elle est totalement ratée. On voit clairement que des masques ont été appliqués pour flouter ou retirer les taches de sang, fermer les yeux de la victime et même supprimer l'arme du crime. Enfin, et pour en revenir avec les intros d'épisodes, preuve qu'on tourne en rond, un problème en ramenant un autre et on n'en finit plus, dans certains épisodes comme le 86, Changer les cours des choses, l'intro a dû être avancée, c'est-à-dire que la réplique de Conan est prononcée beaucoup plus tôt que prévu, pour permettre de rester dans le timing malgré la suppression d'une courte scène, et ce n'est qu'avec le remontage récent que tout est revenu dans l'ordre. Leur course, une étoile filante, les aiguilles de l'horloge poursuivent. La société moderne a toujours les mêmes exigences. Le ciel. Heureusement que je suis là. La société moderne a toujours les mêmes exigences. Mais avec l'intellect d'un adulte, je suis là. Aucun mystère. Je suis un enfant en apparence. Mais avec l'intellect d'un adulte, aucun mystère ne me résiste. On enchaîne avec la section que l'on a appelée les oublis/slash de la merde, tellement on ne savait pas dans quel panier on devait les mettre. Nous allons donc vous proposer un petit florilège de ce que l'on peut trouver. Quelle chance ! Quelle aubaine ! Ça, c'est un sacré coup de bol ! Déjà sur Cartoon Network, les scènes de début ou de fin, comme dans Mission Sauver Yomi, Intrigue Nuciale, deuxième partie et Le Vieux Château, ne sont tout simplement plus là. Pourtant, elles existent, puisqu'on peut voir une frame. Idem sur France 3 avec les épisodes Lundi 19h30, La Fête du Feu, Affaire de Haut-Vol, Meurtre à Bibliothèque ou Meurtre d'un Diplomate, deuxième partie, etc., etc. D'ailleurs, pendant de nombreuses années, les scènes de fin de Meurtre d'un diplomate deuxième partie et Meurtre à la bibliothèque étaient tellement rares que si quelqu'un avait la chance de la voir, c'était juste extraordinaire. Toujours sur la chaîne France 3, il n'y a tout simplement aucun prochain épisode, ni les portes en milieu d'épisode, sûrement pour convenir au standard et rester dans le timing d'environ 19 à 22 minutes maximum. France 3 est donc la chaîne à avoir diffusé le plus d'épisodes, mais le plus court à chaque fois, tellement court qu'à partir de l'épisode 96, les intros de Conan sont carrément coupées. Et on ne s'arrête pas là, en plus des intros et des portes et des prochains épisodes, on a même le générique de fin qui ne sont pas présents, c'est simplement coupé, et à la place on a un petit générique de 5 secondes comme ce que France 3 avait l'habitude de faire. D'ailleurs, à noter qu'il y a une petite faute à Shogakukan.
Je crois donc que tout le monde a compris qu'il voulait réduire au maximum pour pouvoir le caser coûte que coûte, mais un beau jour, on ne sait absolument pas pourquoi, le patron est entré dans la pièce et a sorti le champagne. L'épisode 19 est le seul et unique épisode qui a un ending au complet, en plus de l'ending raccourci de 20 secondes. C'est un grand mystère car c'est le seul qui est supérieur à 22 minutes. Tous les autres épisodes sont juste en dessous à quelques secondes près, sauf exception bien entendu. On suppose que François, qui venait tout juste d'avoir les épisodes, n'a pas dû remarquer cette erreur et du coup c'est passé comme ça à la télé. Après, parmi les choses marrantes, on a aussi les répliques manquantes qui l'ont été pendant 15 ans. Avant que Netflix ne rachète les droits, nous avions les pensées de Shinichi qui étaient manquantes sur les épisodes La réunion de classe de Kogoro, et Bruno Müllenherz a été rappelé spécialement pour les refaire, comme beaucoup d'autres comédiens dans d'autres épisodes. A priori, ils ont été obligés car les répliques ont été oubliées lors du premier montage sur Cartoon Network, et du coup, soit elles ont été perdues, soit endommagées lorsqu'ils ont voulu les remettre sur la version remasterisée. Cependant, il y a de fortes chances que France 3 ait demandé un correctif après avoir checké les épisodes suite au problème du générique qui était dans l'épisode 19. Et si c'est le cas, c'est-à-dire qu'il n'y a que France 3 qui aurait diffusé les répliques de l'époque. D'ailleurs, si vous possédez des enregistrements France 3 sur une VHS par exemple, vous pouvez me contacter via l'adresse email qui se trouve dans le site en haut à droite et en bas dans la description. Car je suis toujours à la recherche de ce genre d'enregistrement, comme par exemple l'épisode 36. Et en plus, si jamais on trouve le bon épisode, on pourra enfin confirmer si cette hypothèse est bonne ou non. Et donc, si on continue dans le prochain épisode de L'Homme aux bandelettes, deux versions ont été diffusées et aucune des deux ne va. Soit on a les paroles sans les bruitages, soit au contraire, on a les bruitages mais sans les paroles. Erran, où est-elle? Elle a disparu. Monsieur Ota, où êtes-vous? Ensuite, chose étonnante encore une fois dans l'épisode 141, intrigue nuptiale, il manque une réplique de Conan dans la scène où l'on va découvrir le cadavre. On aurait pu penser à un oubli lors du doublage, mais non, car cette réplique se retrouve dans l'épisode précédent, lors du prochain épisode. Trouver avec lui un malheur. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Quelqu'un a brisé une fenêtre du troisième étage. Au fait, vous voulez voir quelque chose d'encore plus étrange que dans l'épisode 86, changer la cours des choses avec la fameuse réplique de Genta qui parle alors qu'il n'ouvre pas la bouche? On pourra entendre des messages alors. C'est drôle parce qu'on dirait un jouet, je suis ventriloque, t'as vu? Eh bien regardez, je mets l'épisode Le meurtre du céramiste dans la première partie, il dit que c'est sa belle-fille. Non, non, inutile, ce n'est pas ma femme mais ma belle-fille. Et dans la deuxième partie, l'inspecteur parle que c'est sa femme qui a toujours son téléphone. Oh, alors votre femme avait son propre téléphone portable? Mais oui, bien sûr. Ah oui, du coup, ça rend très glauque. C'est comme si le père sortait avec la femme de son fils. C'est ça, et vous voulez voir quelque chose d'encore plus fou? Regardez cette scène, elle provient de l'épisode À la recherche des 9 portes. Écoutez bien. Dites-moi, vous êtes la femme de Monsieur Akihiko Uehara? Et votre prénom, c'est bien Misato? Oui, c'est ça. Et cette alliance, c'est la vôtre, n'est-ce pas? Je l'ai ramassée tout à l'heure devant la porte. Mais allez-y, regardez-la bien, vous verrez que ce que je dis est vrai. Un M et un A sont gravés, et à côté, il y a la date du mariage. Et oui, de M à A, autrement dit de la part de Misato à Akihiko. Et donc, cette alliance-là, c'est celle qui appartient à Akihiko. Ici au Japon, c'est très courant, les hommes ne portent pas leur alliance. Et puis, Mitsuhiko a des doigts fins pour un homme, alors il n'y avait aucune raison que son alliance ne lui aille pas. Bon, c'est pas si mal. David Goudenov. Et oui, vous avez bien entendu, c'est pas son bon nom. Menez l'enquête
en jouant à notre jeu Détective Conan qui vous permettra peut-être de gagner un coffret de 5 DVD, soit 30 épisodes du manga japonais. Pour revivre les aventures passionnantes du célèbre détective, il vous suffit d'appeler le 0892 05 19 19 ou d'envoyer par SMS Conan au 610 72. Et donc, pour refermer ce point, cette fois-ci nous allons toucher un peu à toutes les plateformes, télé, DVD, streaming, car en comparant l'épisode 30 dans ses différentes versions, nous avons remarqué que l'intro de l'épisode était différent à chaque fois. C'est encore une fois un épisode unique en son genre, puisque dans d'autres épisodes, nous pouvons avoir deux intros différentes, mais jamais trois. Et pour le petit plaisir, on va vous laisser écouter tout ça. Salut, je suis Kono Edogawa, ou plutôt Shinichi Kudo, un jeune lycéen à qui une drogue a redonné un corps d'enfant. Mais n'ayez crainte, mon cerveau, lui, est resté le même. Là où je passe, comme on dit, le crime trépasse. Dans cet épisode, tout se joue dans la dernière scène. L'alibi de l'avocat semble parfait, mais il n'y a qu'une seule vérité. Je m'appelle Kono Edogawa, une mystérieuse organisation à faire rapetisser Shinichi, un lycéen. Si on apprenait que Shinichi et Kono étaient la même personne, leurs proches seraient menacés. Dans cet épisode, tout se joue dans la dernière scène. L'alibi de l'avocat semble parfait, mais il n'y a qu'une seule vérité. Mon nom est Kono Edogawa. En fait, je suis Shinichi, un lycéen à qui on a fait avaler une potion qui l'a fait rapetisser. Je suis peut-être devenu petit, mais mon QI est resté le même. Dans cet épisode, tout se joue dans la dernière scène. L'alibi de l'avocat semble parfait, mais il n'y a qu'une seule vérité. Et pour finir, dans ce quatrième volet de la saga, la VF a des soucis, on retrouve l'épisode 11, Sonate pour crime au clair de lune, qui sur la chaîne Manga, AB1 et maintenant Amazon Prime, nous offre, en plus de la fin de l'épisode avec le fameux « Merci petit détective », une seconde fin avec l'épisode 10 qui n'a absolument rien à faire là. Comme avec France 3 précédemment, ils avaient donc des secondes en rab à la cantine et ont décidé de faire prolonger le plaisir. Tu ne me racontes pas de bêtises. Non, Ran, je t'assure que ça s'est passé ainsi. Je vois. Ce coup-ci, la police n'est pas arrivée sur les lieux. Mais Ryoko a dû le lui expliquer plusieurs fois. Et finalement, j'étais lavé de tout soupçon 3 jours plus tard. Et enfin, on vous promet qu'après ça, on a terminé. Nous entrons dans la phase finale avec tous les petits problèmes par-ci par-là et les éléments un peu bizarres. Je te demande pardon ? Déjà, avant même que les épisodes soient remasterisés avec Netflix, une différence était déjà palpable au niveau des teintes entre les différentes versions. Pas besoin de s'étaler plus sur le sujet, c'est clairement visible que sur certaines versions, le visuel n'est pas très beau, surtout quand on a un élément de comparaison. Autre chose d'assez intéressant, et attention, accrochez-vous bien car c'est assez complexe, comme vous le savez, certains gros épisodes ont été divisés en plusieurs parties pour leur diffusion en France. Ici, nous prendrons l'exemple de l'épisode 129, La Nouvelle Élève, qui a été divisé en 4 parties, soit les épisodes 136 à 139 pour notre numérotation à nous. Ici, sachant qu'il était nécessaire d'ajouter des résumés là où à l'origine il n'y en avait pas, ils ont bien été obligés de les prendre quelque part. Et c'est ainsi que So Crazy a découvert que les premières et troisième parties étaient tirées de l'épisode 140, Meurtre aveugle au stade, tandis que les autres parties étaient les bonnes. Comment est-ce que l'on voit ça? Tout simplement à la teinte qui diffère d'une partie à l'autre. On peut donc s'imaginer 15 ans en arrière en train de faire un copier-coller d'un autre épisode pour essayer de bidouiller un peu des parties qui n'existent pas au Japon. Oh oui, oui. Allez, on continue dans l'imperfection car on s'y sent bien. Je vais parler du premier générique VF Un héros aux yeux d'enfant qui a été enregistré dans un garage et qui a été repassé en mono exprès pour la télé. Et la qualité est tellement lamentable qu'on peut voir qu'aux environs de 15 000 Hz, rideau, il n'y a plus personne. Si on compare avec le graphique de la musique originale, on peut voir qu'il n'y a pas photo. Et si on extrait les voix, on peut même entendre un effet de Larsen en arrière-plan. C'est le sort qu'on lui a jeté. Et du coup, quand des personnes ont redemandé à Jean-Paul Césari s'il voulait la rechanter, il n'a pas hésité à dire oui. Il y a un article qui détaille tout sur detectiveconan.ovh. Et concernant le deuxième générique, vous voulez savoir son nom? Eh bien, on va demander au joueur du grenier. Eh bien, je sais pas. Oh! There! There!
Et donc oui, vous avez bien vu, le deuxième générique s'appelle officiellement générique début. Mais ce n'est pas tout, en plus d'avoir un générique de mauvaise qualité, il y a également des remontages dégueux. Regardez bien cette version, c'est ce qui a été diffusé sur NT1. Le générique VF a été coupé et on a eu le droit au générique VO remonté avec un fondu dégueulasse. Pour toute l'affaire, il n'y a qu'une seule vérité. Et même la chaîne manga a eu le droit à un drôle de remontage, regardez. Mais aucune énigme ne reste jamais résolue grâce au détective Conan. Du coup, on a eu le droit à un remontage bizarre où on entend l'opening VO, le générique 1 VF, puis on finit par entendre le début du générique 2 VF. Résolue grâce au détective Conan. Mais attendez, on a bientôt fini, si vous adorez connaître des choses marrantes, on en a encore 2-3 sous la main. Numéro 1, mais ça tout le monde s'en fout, il n'y a qu'en France, sauf preuve du contraire, que l'animation du début de certains épisodes, c'est la fameuse animation où l'on voit Conan qui est avec une horloge sur un fond un peu astral, eh bien nous sommes les seuls en France à avoir une introduction aussi longue. En y regardant de plus près, chez nous, Conan débute de beaucoup plus loin, ce qui nous ajoute environ 2 secondes par introduction. Numéro 2, sur l'épisode 126, on voit sur exactement 20 frames, soit 80 centièmes de seconde, le générique Truth, juste avant de disparaître pour laisser place au générique habituel, et on a exactement la même chose qui se produit à l'épisode 113, avec un bout de l'opening Un Mai no Roulette Mawashite, qui pop quelques fractions de seconde. Et si vous pensiez que nous ne pouvions pas aller plus loin dans la recherche de micro-erreurs, vous vous mettez le doigt dans l'œil. Numéro 3, et on terminera sur cette dinguerie, tellement elle est invisible, et moi-même je ne sais pas comment So Crazy et Titan l'ont trouvé. Au début de l'opening 1, sur bon nombre d'épisodes des versions télé, on peut voir en augmentant la luminosité une seule frame de l'épisode 14, un message à déchiffrer qui s'est glissé. Ceci est la preuve qu'ils ont utilisé le générique présent sur l'épisode 14 pour le monter sur les autres épisodes. J'avoue qu'à première vue, on ne voit pas grand-chose hormis le logo japonais en haut à gauche, mais avec quelques manips, on découvre la supercherie qui nous avait été cachée depuis tant de temps. Voilà, nous espérons que cette vidéo vous aura plu. Cela fait maintenant plus d'un an qu'elle était en préparation. Entre complexité, un peu de fainéantise et également notre travail qu'on a à côté, et en sachant que tout n'a pas été mis dans cette vidéo, sinon croyez-moi, demain on sera encore là. Je tiens à remercier DCS Universe, So Crazy, Univers JB et aussi tous ceux qui ont aidé de près ou de loin pour corriger ou corroborer toutes les sources de cette vidéo. N'hésitez surtout pas à mettre un like, à vous abonner et aussi à checker nos réseaux sociaux qui seront en description. Et sur ce, je vous dis salut à tous et à la prochaine. Peace. Non mais, on était vraiment obligé de commencer avec le faux raccord? Oui, on était obligé. Tu as vu le nombre de problèmes qu'il y a? Même Michel aurait eu du mal. Ah ouais, d'accord. Et on ne pouvait pas faire autrement? Non, ce n'était pas possible. Bah si, je suis sûr que c'était possible. Non, ça ne l'était pas. Bah si, je te dis que si. Bah moi, je te dis que non.